À quoi ça sert ? Aujourd'hui, c'est le grand ménage. Ouais. Comme ça? Ouais. Bam! Ready to eat. Regardons le mur blanc. Bon, c'est un peu stressant, mais ça va le faire. En fait, depuis que j'ai signé le bail, j'ai passé ma vie sur Pinterest et sur tous les sites de meubles, d'accessoires. Vraiment, je me suis vraiment construit une idée avec les mesures, j'ai fait des plans, j'ai même fait une simulation dans les Sims. Et en vrai, ça ressemble un peu maintenant que je le vois. Donc je vais vous montrer un petit peu les choix que j'ai fait niveau tapis. J'en avais vu pas mal, je vous avais demandé des adresses et finalement j'ai commandé sur Benuta. Et il est trop beau, je regrette pas du tout. Et la table basse dont je vous ai également parlé dans ma dernière vidéo, je l'ai prise sur Cave Home. Elle est vraiment hyper belle. Elle met en valeur le tapis aussi. Je sais pas, en fait, j'ai un lien de suivi, mais je comprends rien. Waouh. There is a life I lead in this city. Hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. C'est l'heure de l'unboxing de mon vase dont je vous ai parlé dans ma vidéo aussi, de mon appartement vrai, je crois. C'est le vase Muto que j'ai trouvé sur The Cool Republic. C'est un site où ils vendent plein de trucs de design et des fois il y a des soldes. C'est des ventes privées ou des soldes, mais en tout cas je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est le vase King en porcelaine. Oh, la boîte est trop belle. Ouh, bah je le prie, tu me diras. This is a present for me to me. Mm. Une verre. Oh, il est très beau. Voilà. Bon, ici je vais absolument avancer. En fait, je vais sortir tous mes livres et les mettre par terre en attendant d'avoir mes étagères. En gros, je veux tirer trois étagères de tout du long, des blanches. La première sera juste au-dessus des prises ici, une deuxième ici et une troisième qui arrivera un peu au-dessus du radiateur là. Donc, en attendant, et parce que j'en peux plus de voir des sacs en fait, je vais mettre tous mes livres par terre. Donc, je vais aspirer au fur et à mesure. Et voilà! Elle, il faut que je lui donne de l'eau, il faut que je les replante en fait. Enfin, je les rempote. Faring with the light it holds. When I return from my spinning ball, I'm remembering the words you told me.
is all gone away. Bon, j'ai classé par catégorie, on va dire. Alors ça, c'est plutôt des magazines. Parmi ceux que j'aime bien, je vous conseille de regarder Étape, qui est vraiment cool. C'est un magazine autour du design et, on va dire, des compositions un peu graphiques. J'aime beaucoup The Gentlewoman, aussi Idea, qui est sur l'intérieur. Ça, c'est plutôt design et architecture, sachant que la plupart sont chez mes parents, donc là, j'ai pas grand-chose. Ça, c'est plutôt catalogue d'exposition. Ici, c'est des livres que j'ai lus par rapport à mon mémoire que j'avais fait sur les tiers-lieux, donc je suis pas sûre de tous les garder. Ouais, genre ça. Ça, c'est des livres que je vais donner, mais au fur et à mesure, je vais commencer à trier. Ça, c'est les livres autour de la nourriture, donc je n'ai pas beaucoup. Mais j'aime beaucoup celui-ci par exemple. Ça c'est des boîtes, ça c'est mes bijoux, je sais pas encore où je vais les ranger. Ça c'est des supports graphiques, on va dire, que j'ai gardé, de trucs que j'aimais bien. Ça c'est des livres autour des couleurs que j'aime trop. Et celle-ci c'est la pile un peu développement personnel, on va dire, poésie. Et ça c'est la fiction, franchement je lis jamais de fiction, c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup. J'ai lu genre 1Q84 il y a genre 2 ans parce que j'avais 1 heure du métro matin et soir pour aller à mon stage, mais sinon je lis vraiment très peu. Tout ça c'est des carnets, moi j'aime beaucoup ceux qui viennent de chez Muji. Ça c'est une carte de l'Indonésie que ma copine indonésienne Edita m'a offert. J'y suis jamais allée pour l'instant. Et ça c'est 2 guides, donc un LV Paris et The New York Times sur Londres. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit arrangement mignon en attendant les étagères. Je sais pas si vous voyez les repères que j'ai fait là, mais bon. Ça, ce sera dans quelques jours, semaines, je sais pas trop. Et c'est pas totalement terminé, mais voilà à peu près ce que ça donne pour l'instant. La livraison que j'attends le plus, c'est vraiment le canapé qui sera ici. Vous verrez ça juste après parce que je le reçois dans 2 jours, mais vraiment j'ai trop hâte parce qu'il est trop bien et j'ai mis super longtemps à le choisir. Mais en tout cas voilà ce que ça donne à peu près. Là j'ai un peu de bordel parce que c'est vraiment là en fait où je travaille tous les jours. Je m'assois là et franchement ça me va pour l'instant. Bien sûr ça marcherait pas pendant 3 mois là, mais pour l'instant ça me suffit largement. J'attends aussi d'acheter les étagères qui seront ici, donc j'en mettrai 3 assez basses pour pouvoir projeter en fait des séries etc sur le mur et garder ça comme un endroit plus blanc. Voici ma magnifique serpillière. Ça c'est un meuble Ikea, je crois que c'est un meuble de salle de bain de base que j'avais dans l'ancien appart, et en fait pour l'entrée je trouve que c'est pas mal. Je pense peut-être peindre ce plateau là en noir, donc le gratter un peu et le peindre en noir, parce qu'en vrai je pense que vous avez compris, mais je suis vraiment dans une déco beaucoup plus simple, on va dire sobre. Cette chaise là je l'ai eue chez Emmaüs pour environ 15 euros. C'est vraiment la forme B34 de Breuer qui est trop cool, et j'avais déjà cette blanche du coup que vous avez sûrement vu dans mes vidéos. Donc il y en a une des deux qui ira en haut je pense pour mon bureau, mais peut-être que la blanche je la laisserai ici dans un coin. Mais en tout cas voilà, vraiment le tapis c'est ce qui m'a motivée à ranger tout le reste. Je sais pas si je l'ai dit, mais il vient de chez Benuta et je trouve qu'il va super bien avec le sol. J'en regardais d'autres qui étaient plus beige et au final je suis très contente d'avoir pris ça parce qu'il y a plus de contraste je trouve avec le sol. Je trouve que ça marche vraiment mieux avec l'espace aussi. Et la table, bah pareil, c'est vraiment ce que je voulais. Elle est de super bonne qualité, elle vient de chez Cave Home. Je pense pas vous le présenter, mais c'est le Muto, le King Vase. Ça me fait trop rire parce que je l'ai vraiment connu parce que j'ai téléchargé du contenu perso dans les Sims. Donc voilà, si jamais vous avez pas encore vu cette vidéo sur mon appartement de rêve, n'hésitez pas à aller la voir. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi ça va super bien parce que j'attends mon canapé. La livraison est prévue pour aujourd'hui dans la journée, donc je sais pas quand je dois le recevoir. Mais quand je l'ai commandé, il était censé être livré mi-juin, je crois. Début juin, mi-juin. Du coup, je suis trop contente parce qu'il vient un tout petit peu en avance. Et je vais plus vous en parler aujourd'hui parce qu'il est assez particulier. Je l'ai choisi parce qu'il était hyper pratique. Et voilà, j'ai trop hâte de vous montrer. J'ai trop hâte de pouvoir m'asseoir sur quelque chose d'autre que ces chaises qui grincent, qui sont très belles, mais qui grincent. Et ce tapis, puisque là ça fait 5 jours que j'ai emménagé et ça fait 5 jours que je travaille par terre, donc c'est très bien parce qu'en fait j'ai pas encore de table, j'ai pas encore choisi ma table pour ma petite cuisine. Je vais vous parler un petit peu du challenge qu'est cette cuisine parce que j'ai dû, par rapport à la photo que vous avez vue sur Instagram, j'ai dû rajouter le frigo en plein milieu parce qu'il n'y a pas d'endroit pour le frigo dans la cuisine équipée de base.
La cuisine, c'est un peu le bordel, mais on en est là. Je pense que vous avez remarqué que là, il y a mon frigo. C'est qu'en fait, il n'y a pas d'espace qui est prévu dans cette cuisine pour un frigo, donc ça me saoule un peu. Mais bon, j'ai pas mal de rangements. Franchement, elle est vraiment bien. Le manuel, c'est juste ça. Genre, mettez les vis en fait. Terminé. Ça. Une petite clé marbre, donc j'ai ça. L'intérêt du canapé, mais en gros c'est de pouvoir ajuster les accoudoirs comme on veut pour faire un canapé classique avec des accoudoirs sur les côtés, sans les accoudoirs, un peu un lit de jour avec juste les accoudoirs du bout. Et j'ai aussi acheté une tablette qui permet de mettre en fait une tablette qui est fixée au canapé. Donc voyons ce que ça donne. Fini pour aujourd'hui. Je suis trop contente, j'ai juste trop hâte de mettre mes étagères. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense prendre des étagères en bois assez naturel, clair. C'est encore très beige-gris, je trouve que ça manque un peu de couleur. Il y a genre la lampe dans le fond, certes, mais j'attends un plaid que je vous montrerai dans le prochain vlog, qui devrait arriver dans pas trop longtemps. Mais en tout cas, je suis trop heureuse de ce canapé et de ce vase. Genre vraiment, je suis trop heureuse de ce vase, je suis trop heureuse de cette table, je suis trop heureuse de mon tapis. Pour faire un petit récap, ce canapé il vient de chez Cave Home, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pareil pour la table, c'est un site espagnol que je connaissais pas du tout et franchement il y a des super jolis trucs. Le vase vient de chez Muto, même si je vous ai déjà expliqué. La chaise ici c'est le modèle B34 de Breuer et c'est Elder qui me l'a donné. C'est pas une vraie ou quoi, enfin en soi on peut pas vraiment savoir. Ce vase là avec mes pivoines qui sont en train de mourir, je l'avais acheté chez Emmaüs pour 2€. Ça c'est un print d'Ezegno. Et bah ça c'est mes livres, ça c'est pas une télé, c'est l'écran display, je crois qu'il est plus vendu, mais en gros c'est un Apple et je l'avais acheté en même temps que mon ordi, donc en 2014. Et en fait c'est comme un écran d'iMac, tu branches ton ordi dessus, donc moi j'ai un MacBook Air. J'aime beaucoup aussi cette marque de bougies, c'est Opark et c'est de la cire de soja et c'est fabriqué à Paris. Et je l'aime vraiment beaucoup, elle est à l'oud qui est le seul parfum que j'aime. Je mets jamais de parfum et j'aime bien les bougies mais je mets vraiment jamais de parfum. Et ça c'est un espèce de, pas un mood board mais un espèce de plus.
planches de je sais pas quoi, de création que j'avais fait au Paris On Air. Donc c'était à la Cité du Design il y a je pense 2 ans. Et en gros, il fallait créer son Air Max. Je trouve que les couleurs vont bien et là, ça manque un peu de couleurs. Et là, dans le fond, j'ai un peu mes affaires de bureau dont j'ai besoin, qui sont un peu cachées. Cette lampe, je crois qu'elle vient d'IKEA. Celle-ci de Made, je l'ai repeinte, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo. Et ça, c'est du plastique rose pour faire un fond que j'avais acheté chez Rougier et Play. Donc qui est un magasin de fourniture de d'art, etc. Donc voilà, je suis trop contente. Donc j'attends encore un plaid et pouvoir faire mes étagères. De toute façon, je vous montrerai tout ça. Mais dans l'ensemble, c'est à peu près ça. C'est la seule pièce qui est à peu près terminée, on va dire. Donc je pense que les autres vlogs, ce sera sur la cuisine, sur la pièce du haut que je vous ai pas du tout montré pour l'instant. Bon, là, il y a mes draps. C'est trop pratique, vous verrez ça très vite en tout cas. Pareil pour la cuisine, il faut que je rajoute un plan de travail ici, il faut que j'arrange un peu des trucs, mais dans l'ensemble ça va, c'est fonctionnel, c'est hyper bien. En tout cas, je vous mettrai en barre d'infos tous les liens de ce que vous avez vu aujourd'hui. En tout cas, tout est arrivé dans les temps, donc c'est que des sites que je vous conseille. J'aime vraiment trop le site de Cave Home où j'ai pris le canapé et la table. J'ai payé de ma poche, j'ai eu une petite remise quand même de 30%, ce qui n'est pas du tout négligeable parce que le canapé était assez cher de base, donc j'ai pu un peu m'en sortir comme ça. Après, c'est quand même un budget, je meuble mon premier appartement qui est plus grand, donc en soi dans mon ancien appart j'avais juste une table IKEA, mon lit que j'ai ramené et 2-3 trucs de déco, mais je veux dire j'avais pas vraiment de meubles. Donc trop contente parce que je me sens vraiment bien dans cet espace et je pense vraiment que ça vaut le coup en fait. Donc j'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans les prochains. Je pense que le prochain on va s'occuper soit de là-haut parce que j'ai un DIY que je veux faire dans la salle de bain. En tout cas la chambre ce sera un peu plus tard parce que là j'ai pas de dressing et je sais pas exactement quand je vais pouvoir l'acheter. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, enfin j'aime trop faire ça. Et pourquoi pas vous refaire une vidéo Sims bientôt, donc si jamais vous avez des suggestions en lien avec l'architecture, le design, dites-moi si vous avez des idées. En tout cas, je ferai ça très bientôt. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite, je pense fin de semaine. Bisous! Avec la vidéo sur les études, oui, j'ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions par rapport aux études, parce que je vais faire une vidéo sur ce thème-là. Donc si jamais vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et encore une fois, merci beaucoup de me soutenir, ça me fait trop plaisir. Bisous!